jour, tout le monde disait chouette, on met des petites jupes, hein. Et ben voilà, regardez. Un super beau temps pour mettre des petites jupes. Heureusement que je les ai pas mises moi. Bon bref, tout ça pour vous dire que demain, normalement, je pars faire un tournage. Et manque de peau à cause des perturbations puisque nous sommes en vigilance orange. Neige, pluie, verglas. Il y a des perturbations sur ma ligne de SNCF. Donc c'est cool. J'ai l'impression de pouvoir prendre mon train demain. Donc c'est génial. Donc si je n'ai pas mon train, je n'ai pas mon tournage. Puisque je ne peux pas y aller en voiture. C'est trop loin. Sinon j'aurais été en voiture directement, hein, bien sûr. Donc je vous filmerai la suite, hein, parce que je n'ai pas le droit de dire pour qui. Donc je vous sortirai cette petite vidéo sur YouTube quand je pourrai. Si... Coucou, il y a un peu de vent, il fait froid. Bon ben voilà, j'ai réussi à prendre mon train. Donc je suis en direct d'un endroit au bord de mer. Enfin au bord de mer, hein. Presque. Je suis au bord d'un lac pour l'instant, mais le bord de mer n'est pas loin. Et je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus quand j'aurai fait le tournage et je vous en dirai. Voilà les loulous, des bisous. Les loulous. Donc le deuxième jour, nous ne tournons que ce soir. Pour l'instant c'est promenade en ville, ce matin marché, et là direction la production, chez la production, pour profiter d'un beau repas avant de faire le ravalement de façade. Il y en a besoin, la petite séance d'épilation aussi, il y en a un petit peu besoin. Et puis de se transformer en bombasse, sexy, en pupute, comme j'aime dire, ou bonasse. C'est pas mal aussi, la bonne bonasse. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Il fait un peu beau. On est dans le sud, hein, donc tant qu'à faire, hein, il faut qu'il fasse beau. Et que vous dire d'autre? Bah, je suis au bord de mer, on est cool, tout va bien, on est détendu, on profite grave, 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 grave. Que dire, je rentre demain, sauf si je décide de rester une semaine de plus. Mais il fait pas assez chaud encore. Enfin, cet été, ouais. Cet été, venir passer quelques jours ici, franchement, c'est open. Il y a plein de petits hôtels sympas, des petites chambres cool, très bien accueillies. Donc pourquoi pas.
Donc voilà, donc je vous referai une petite vidéo tout à l'heure. Une fois que je serai transformée en pupute. Puis je vous présenterai peut-être l'acteur. Et puis bah, on va vous faire une belle vidéo encore. Hein? Quelque chose qui va bien vous exciter, qui va bien vous mettre la pression. Et après, on relâche la pression. Hein? Allez les bisous. Donc voilà, je n'ai pas pu du tout filmer aujourd'hui puisque ça a été super 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 actif. On a fait une belle scène, une très belle scène. Quand elle sera dispo, je vous dirai où, hein, bien sûr. Je ne vous dis rien pour l'instant, je garde le secret. Donc là, vous me voyez dans un bel endroit où sera filmée la deuxième scène. Donc, je vous fais un petit tour. Le petit salon pas mal, hein. C'est assez classe. La cuisine, où je ne pense pas qu'on va filmer énormément, mais vous voyez, hop, là, le petit coin repas, voilà. Là, caché derrière la porte, c'est une chambre d'enfant avec lit superposé et puis... un petit bureau d'enfant. Ah, je ne vous ai pas montré ici. Ça, l'été, hein. Quand tu viens en location, pas comme nous, c'est super agréable. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir. Une putain de baie vitrée avec une belle porte cochère que on peut ouvrir la journée. Hop, je mets la lumière. On peut ouvrir la journée la porte cochère pour avoir de la lumière. Vous voyez ? On me voit, coucou. Ça, grande porte cochère. Et puis, bah, quand la porte cochère est ouverte, tu fermes les petits rideaux. Comme ça, tu as de la lumière, mais les gens ne te voient pas, bien sûr. C'est pas franchement agréable. Hop, on éteint la lumière. Ensuite, je vous fais visiter. Hein. Hier, je ne vous ai pas fait visiter parce que c'est une chambre d'hôtel simple, hein, normale. Là, donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, les vieux meubles salle de bain de dans le temps. Hein, bon, là, on fait vite fait. Hein. Petite toilette. La petite douche. La fenêtre qui donne sur la porte cochère. Donc, comme ça, tu as la luminosité. Dur à dire. L'été, on éteint les lumières toujours. Et là, le petit lit. Hop. Voilà. La belle chambre. Regardez les portes. Ça, c'est un placard. Un putain de grand placard. Un dressing, mais gigantesque le truc. À la porte pour fermer la chambre. Hop. C'est dément, hein. Hop, et donc ça redonne sur la salle de bain. Et puis après, à la salle, mais c'est les portes comme ça, mais c'est trop, trop beau. Et puis après, bon, il y a la fenêtre qui donne sur la rue. Ça, c'est un peu moins cool. Parce que du coup, l'été... quand t'as les fenêtres ouvertes, bon, t'es sur la rue direct. Donc du coup, hop, on ferme. Et vous me voyez plus. Non, mais voilà, du coup, là, je ferme tout parce que bon, je vais me balader à poil, certainement, ce soir, après la douche et tout. C'est pas franchement très agréable d'avoir la vue sur la rue et que tout le monde puisse me voir. Et voilà, donc je suis dans une ville au bord de mer. Donc je vous mettrai aussi des petites photos. Regardez pas ma tête, hein, parce que je suis à moitié maquillée. Le haut est encore maquillé, mais pas le bas.
Parce que là-bas, il y avait le masque tout à l'heure. Donc, du coup, ça a légèrement fait le démaquillage immédiat. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de vent. Donc, du coup, je ne ressemble plus à rien. Mais en tout cas, je remercie cette gentille production de m'avoir fait tourner. Pour l'instant, apparemment, ils ne sont pas déçus de moi. Moi, je suis un peu déçue parce que ça fait très longtemps que j'ai tourné en comédie avec des gens extérieurs. D'habitude, c'est pour moi, donc pour mon site, etc. Et du coup, les attentes ne sont pas pareilles. Eux ont un cahier des charges très précis, ils veulent ça et pas autre chose. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain et je suis déçue de pas avoir été super professionnelle dès le départ. Mais de toute façon, on est toujours déçus, on n'est jamais content de soi-même, de ce qu'on fait. Et je me dis professionnelle, enfin semi-pro. Et là, aujourd'hui, non, j'étais pas du tout semi-pro, j'étais amateur, mais bien amateur. Après, une fois que la comédie était finie, qu'on a fait la scène de cul, bah là oui, là ça allait beaucoup mieux. Mais bon, il n'y a pas que le cul dans la vie, il y a la comédie aussi. Bon, les loulous, je vais vous faire des gros bisous. Non, je fais attention parce qu'il y a des gens qui regardent, puisque la fenêtre de la cuisine est là. Et la fenêtre, attendez, je vous montre, donne sur la rue. Et quand il y a des gens qui passent, ben ils regardent. Et j'ai pas envie qu'ils me voient parler au téléphone ou, enfin, j'aime pas qu'on me regarde. Pas quand je suis dans la maison comme ça. Donc je vous filmerai peut-être demain un petit peu si c'est pas trop speed. Hein. Parce qu'aujourd'hui ça a été hyper speed et les gens qui ont tourné avec moi, une partie devait reprendre le train aujourd'hui. En fin de journée, et comme on a pris du temps à cause de nos professionnalismes, on va dire. Du coup, ça a été un peu galère, c'était en speed et tout, et j'aurais aimé faire une photo avec elle pour vous montrer, pour vous mettre la photo, mais du coup, non. Malheureusement, il n'y a pas de photo pour l'instant. Les photos, ce sera au moment de la sortie de vidéo, donc vous serez surpris. Très surpris. Vous n'attendez franchement pas ce que j'ai tourné aujourd'hui. Même moi, je veux sortir de ma zone de confort. Et là, c'était ça totalement. Et ça fait du bien. De ne pas faire tout le temps la même chose. Papa, maman, l'un dans l'autre. Voilà. Là, franchement, c'était le pied. J'ai pris mon pied à faire ce tournage. Bon, je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure.